Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Dolène Medium. Alors aujourd'hui, je vais vous faire votre tirage au jour de ce samedi 27 janvier 2024, bien évidemment, et comme toujours, et pour commencer avec monsieur le jeu de 32. Allons-y, c'est parti, mon kiki. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Eh ben moi, oui, tout va bien. En tous les cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. C'est ce qu'il y a de plus important. Allez, on va regarder ce qui va se passer donc pour cette journée de ce 27 janvier 2024. On commence comme d'habitude avec la numérologie. Donc 27, vous additionnez, 7 et 2, 9 et le chiffre 9. En numérologie, nous parle de quoi? Nous parle tout simplement de la fin d'une situation. Alors, c'est vrai que le chiffre 9, c'est un petit peu ambigu, parce qu'on dit toujours en chiffre 9 quand on l'a en année 9, hein, quand on l'a pendant une année, là c'est juste pour une journée, voire dimanche, lundi, trois jours avant, trois jours après la lune, bien évidemment. Donc là, on nous parle vraiment avec ce chiffre 9, soit c'est vous qui prenez les initiatives, ou ça peut être la personne ou les personnes face à vous qui pourraient prendre des initiatives par rapport à vous, par rapport à une situation. Donc là, le chiffre 9, globalement, là, c'est la fin d'une situation, certes. Alors pour certains, ça peut être la fin d'un divorce, la fin d'une procédure. Hein, vous mettez vraiment à votre propre situation, donc divorce ou tout ce qui est dans le domaine problématique du travail, etc. Donc là, ça peut être, vous pourriez avoir des nouvelles par rapport à ça et ça y est, c'est la fin d'une procédure par rapport à tout ça. Ça peut être la fin aussi d'une relation, ça peut être la fin d'un contrat dans le domaine professionnel. Alors, soit c'est vous, hein, dans un contexte sentimental, qui prenez l'initiative de cette démarche d'arrêter cette relation parce que ça n'allait plus avec cet homme ou cette femme avec qui vous venez de rencontrer ou vous faisiez peut-être un bout de temps que vous étiez ensemble. Parce que la relation ne marchait plus, donc c'est vous qui prenez les devants, c'est vous qui prenez cette initiative de quitter malheureusement, enfin je dis toujours malheureusement parce que c'est pas évident quand c'est l'autre qui se fait quitter, mais et inversement. Donc voilà, et c'est peut-être cette initiative-là que vous allez devoir prendre ou que vous avez prise, mais ça peut être, comme je le disais, la personne face à vous qui pourrait prendre cette décision, ou alors ça peut être un accord en commun. Pareil dans le domaine professionnel, soit c'est vous qui partez, hein, vous posez votre démission, soit c'est votre patron ou votre patronne qui vous annonce que l'entreprise est en train de couler, malheureusement, et donc là, pas le choix, voilà, ou alors c'est un accord en commun, hein, vous partez ou vous décidez de partir, mais voilà, il y a vraiment une décision à deux. Donc voilà, le chiffre 9, c'est ça. Hein. Alors, vous pourriez apprendre aussi un divorce, une séparation, mais malheureusement, vous pourriez apprendre un décès. Alors, c'est vrai que le chiffre 9, concernant et à la différence du chiffre 6, où lui, il est plus impacté famille, dans le contexte familial, là, le chiffre 9, c'est plutôt où vous allez apprendre un décès, bien sûr, et malheureusement, alors, c'est plutôt des personnes ou une personne, ça peut être un collègue, une collègue, une amie, un ami qui va vous faire part que malheureusement, elle a perdu un être cher. Donc voilà, généralement, ça ne vous impacte pas. Alors, ça peut vous impacter, bien sûr, mais après, tout dépend comment vous connaissiez cette personne. Concernant la planète associée à ce samedi, c'est la planète Saturne. Donc, la planète Saturne, c'est la planète des retards, des contretemps. Donc, si on l'additionne, bien sûr, avec ce chiffre 9, est-ce qu'il y a des retards où il y a eu des retards, où il y aura encore des retards, où il va y avoir des retards? Alors, soit il y a eu des retards et ça prend fin avec ce chiffre 9, soit que malheureusement, il va y avoir des retards par rapport à une situation. Et voilà, mais ça va prendre fin. Il y a des choses qui vont se mettre en place, je pense. Et on va regarder tout ça avec monsieur le jeu 32. Allez, on y va. On a quoi? On a l'as de cœur. On a des bonnes nouvelles concernant tout ce qui est lié à l'immobilier, le foyer, le couple, la famille. Il y a des nouvelles qui arrivent. Ça peut être un logement social, une réponse concernant un déménagement, un futur déménagement. L'achat ou la vente d'un bien, en tous les cas, les choses se font rapidement. Là, hein. Il y a des choses qui vont bouger. Alors, c'est peut-être ça, hein. Il y a peut-être eu des retards, des contretemps. Mais en tous les cas, il y a des choses qui se décantent là, hein, de façon assez rapide. Allez, tirage donc du destin, comme d'habitude. On a tout ce qui est en rapport avec des nouvelles qui viennent de loin, le roi de carreaux, tout ce qui est en rapport avec l'étranger. Ok, alors ça peut être dans un contexte sentimental, cet homme ou cette femme qui habite loin de vous, dans une autre région, un autre pays. On a quoi? Ok. Ah, plutôt pas mal, plutôt pas mal. Mais il me faut du pic. Eh non. Hein. Ah. Ça promet. Hein. Je vous le dis, le tirage, il promet. On nous parle de nouvelles qui viennent de loin. Peut-être un projet de déménager, changer de région, changer de pays. En tous les cas, les projets. Pour vous, mon consultant, ma consultante, ou votre partenaire masculin ou féminin ou futur, en tous les cas.
Il y a des projets qui se mettent en place de façon assez inattendue. On peut nous parler d'une belle invitation amoureuse avec qui il y aurait la réussite. On nous parle de réussite concernant tout ce qui est démarches administratives, documents officiels et tout ce qui est en rapport avec une indemnisation, un remboursement. Faites attention à une jeune femme brune, peut-être un petit peu plus jeune que vous. Si on associe ces deux cartes avec la dame de carreau, peut-être qu'il y a une femme qui vous doit de l'argent, qui sera obligée de vous le donner, puisque là, on est en colère. Enfin, c'est plutôt elle qui est en colère par rapport à tout ça. On nous parle de colère peut-être par rapport à votre partenaire masculin ou féminin qui vous aime, qui vous kiffe ou qui vous aimera. En tous les cas, homme de caractère, femme de caractère, mais ça peut vous représenter. Bon, il y a dit donc, il y a beaucoup de personnages ici. On nous parle d'un valet trèfle. Alors, peut-être toujours dans la continuité du sentimental, peut-être que cet homme ou cette femme est peut-être un petit peu plus jeune que vous en âge ou légèrement plus âgé ou le même âge que vous. En tous les cas, c'est une personne qui a de la prestance, de l'élégance. En tous les cas, on peut nous parler que cet homme, toujours dans le contexte ou cette femme, contexte sentimental, vous l'avez peut-être rencontré sur votre lieu de travail. Peut-être que cet homme ou cette femme a déjà sa propre entreprise. En tous les cas, on nous parle de quelque chose de rapide. Malgré qu'on a des retards, mais on vous dit surtout les retards, il y aura de l'engagement pour lui, avec lui ou avec elle. On peut nous parler aussi de bonnes nouvelles concernant un gain d'argent, un remboursement. Hein. On est vraiment dans ce contexte-là. Et ça sera sur du retard signé. On n'en parle plus. C'est signé, c'est acté. Bon, allez, on y go. Bon, on nous parle de changement, de déménagement avec ce 10 de carreau. On nous parle de vous, ma consultante, mon consultant, à condition que vous soyez veuve, divorcée, célibataire, vous n'ayez plus de la cinquantaine. On peut nous parler aussi clairement, ça peut parler de votre maman. Si vous n'êtes plus votre maman, elle vous protège de là-haut. Il y a du changement pour elle, il y a du changement pour vous. On peut nous parler de vous rapprocher de votre maman ou c'est elle qui se rapproche de vous. En tous les cas, les choses bougent pour vous. On nous parle de bonnes nouvelles pour votre maman, de bonnes nouvelles pour vous également. Par rapport à une situation qui était bloquée, vous allez pouvoir partir sur de nouvelles bases. Donc, s'il y a eu des blocages, des retards, des contretemps, les choses se décantent pour vous. On peut nous parler d'un blocage concernant pour avoir une grossesse. Ça a été difficile, c'est peut-être actuellement difficile, mais on vous dit que la grossesse arrive. Nouveau départ concernant, vous voyez, hein, on a eu des problématiques là. Peut-être pour avoir un bébé, peut-être concernant une nouvelle relation, une réconciliation. Les nouvelles arrivent, mais on voit qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, hein, qui vous angoisse. Hein. Mais regardez, c'est magnifique. On voit que c'est bloqué par rapport à une relation, à une grossesse, à une réconciliation, une nouvelle rencontre, un nouveau départ. On voit que ça vous tracasse, mais ça ne sera de courte durée. Vous avez la joie et le bonheur. Joie et bonheur par rapport à une fille, une meilleure amie ou une sœur. Joie et bonheur aussi également concernant un fils, un meilleur ami ou un frère. On nous parle de tout ce qui est en rapport avec la famille. Ok, on nous parle de logement avec certitude. Des bonnes nouvelles là, hein, qui vous arrivent. Là. Certifié concernant tout ce qui est dans le domaine juridique ou concernant le domaine d'une procédure. Et on termine avec quoi? Ben pour certains et certaines, vous allez faire pas mal de démarches administratives. Hein. Donc ça, c'est cool. Peut-être par rapport à un logement social, peut-être par rapport à l'achat ou la vente d'un bien. En tous les cas, je n'ai pas de choses négatives. Hein. J'ai juste le 8 de pique qui vient vous titiller un petit peu, mais le reste, c'est tout bon. Ben, on avait beaucoup de personnages dans d'autres decks, donc ça va. Mais là, on a quand même des personnages, donc les choses vont bouger. Ok, allez, on y va. As de cœur, j'en ai qu'un. J'en veux pas. En roi, j'en ai qu'un. J'en veux pas. Deux dames, on nous parle de bonne entente, bonne amie, donc ça c'est cool, on n'a pas la dame de carreau, donc on a la dame de cœur, la dame de pique, donc nos craintes. On a deux valets, on n'a pas le valet de pique, magnifique. Deux valets, on nous parle qu'on s'inquiète quand même, on a bien cette carte du 8 de pique. En 10, j'en ai qu'un, en 9, j'en ai un, j'en ai deux, donc vous allez recevoir une petite somme d'argent, un remboursement, une indemnisation, ok. En 8, j'en ai deux, on nous parle de liaison amoureuse, et en 7, j'en ai deux, et vous allez recevoir une bonne nouvelle, enfin une nouvelle, et je pense que c'est tout ce qui est lié à l'administration. On voit qu'il y a quelque chose qui se décante là, hein, dans ce qui est administration. On a quoi? Ouais, voyez, vous êtes inquiet, inquiète par rapport à une signature, mais ça va se faire. Ne vous inquiétez pas, et on parle bien de projet, ça c'est cool. Allez, monsieur le jeu de 54. Samedi 27 janvier 2024. Oh, 2-4. Alors quand on a 2-4, généralement on nous parle de période agitée. Mais on a quand même 2-4, mais couleurs rouge, cœur et carreau. Donc, bien évidemment, quête de cœur nous parle de soutien de la famille, du partenaire. Ça peut nous parler d'un déménagement pour certains. Et le quête de carreau, lui, nous parle tout simplement de foyer, de famille, d'une bonne harmonie dans le couple. On peut nous parler d'un héritage, d'un repas dans le domaine de la famille ou dans le domaine amical. Tout simplement.
4 de trèfle, ok, 2 de trèfle, magnifique. 2 de trèfle nous parle que vous allez pouvoir profiter de vos amis, des plaisirs, il va y avoir de la joie, du bonheur. Donc là, c'est plutôt, on va dire, c'est plutôt cool. Et le 4 de trèfle, lui, nous parle de quoi? Ben, de foyer, de famille, un peu comme le 4 de carreau, mais lui, nous parle plus de projet, d'emménager, de déménager, d'emménager seul, d'emménager avec votre partenaire ou futur partenaire masculin ou féminin. Et le 4 de cœur, lui, nous... le 4 de trèfle, pardon, lui, nous parle de rentrée d'argent. Et ça nous parle aussi de tout ce qui a un rapport avec l'immobilier. Donc là, il y a des bonnes nouvelles, hein, concernant l'immobilier pour certains et certaines. Allez, je vais faire 3 petites cartes. Allez, on y va, samedi 27 janvier 2024. Waouh, on nous parle de clairvoyance, on nous parle que vous ressentez les choses. Alors peut-être que vous avez un membre de votre famille qui est dans le domaine de la voyance, qui ressent les choses. Alors on peut nous parler de vous, hein, on peut nous parler d'hérédité dans tout ce qui est dans le domaine de la clairvoyance. En tous les cas, là on a des choses qui sont ressenties. Vous allez ressentir les choses. Peut-être que vous allez ressentir que vous avez un enfant ou... alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, qu'il y a des problèmes de justice. Ou alors, si ce n'est pas des problèmes de justice, peut-être que vous allez ressentir que vous avez un enfant, un frère, une sœur, hein, puisque l'hérédité, c'est tout ce qui est en rapport avec la famille. Et là, on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose de bénéfique que vous allez ressentir concernant la loi. Alors, peut-être ressentir aussi que vous allez... que c'est la bonne personne hein, dans le domaine sentimental. Bon, on nous parle d'argent. Hein. Cet homme ou cette femme, financièrement, professionnellement, tient la route. Hein. Et voyez, on a la loi. Hein. Il y a de l'engagement là. Hein. Malgré que ça vous tracasse, mais le rêve se réalise. Est-ce que vous avez peur que cet homme ou cette femme s'engage avec vous? Vous avez peur? Alors, la peur peut-être de manquer d'argent. En tous les cas, il y a la signature. Hein. On va recouvrir l'enfermement. Et vous avez un beau tirage, hein? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui vous traite? Ben oui, c'est les enfants. On a l'impression que vous avez peur de décevoir. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, on va retrouver la carte de l'argent. On va retrouver les cartes. La carte du début. Elle est là. Hop là. Alors, mes amis célibataires, vous allez bel et bien rencontrer une personne. Direct, la personne voudra s'engager avec vous. Mais vous, ça va vous tracasser, mais on vous dit que le rêve se réalise. Et qu'est-ce qui va vous tracasser? Ce qui va vous tracasser, c'est par rapport au regard de votre famille, de vos enfants. Vous avez peur que vos enfants ou quoi que ce soit n'acceptent pas. Zen, tranquillou. On vous dit que cet homme ou cette femme, en tous les cas, que vous allez rencontrer, est posé. C'est une personne qui a la tête sur les épaules. Donc, no stress. Tout en restant vigilant et vigilante, bien évidemment. Pareil pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, il y a de l'engagement, il y a vraiment quelque chose de fort, officialisation avec cet homme ou cette femme. Financièrement, professionnellement, cet homme ou cette femme tient la route. On voit que vous êtes inquiet, inquiète par rapport à votre famille. Peut-être la peur de l'annoncer que cet homme ou cette femme veut se marier, veut s'engager, etc., veut construire avec vous. Mais en tous les cas, vous, le rêve se réalise. Pareil pour celles et ceux qui sont en couple et que là, tout va bien. On nous parle qu'il y a une situation d'argent, peut-être d'une procédure, que ce soit pour votre mari, pour vous ou pour votre femme. En tous les cas, on voit que vous êtes dans l'inquiétude, l'enfermement. Ça peut être une histoire de famille ou alors vous avez du soutien de vos enfants. Mais en tous les cas, enfin, le rêve se réalise. Donc là, il y a bien une histoire d'argent, peut-être héritage, je ne sais pas. Mais en tous les cas, les rêves se réalisent. Vous allez pouvoir enfin pouvoir profiter. Souffler grâce à cette décision de justice hein, qui est en rapport avec la loi. Pareil pour celles et ceux qui sont en couple et qui veulent divorcer ou qui sont en instance de divorce, on a bien la loi qui est là, vous récupérez bien votre dû. Ce qui vous tracasse, alors est-ce que c'est vous qui demandez le divorce ou je ne sais pas, ou si c'est votre mari, futur ex-femme, on voit que ce qui vous tracasse, c'est par rapport à vos enfants, la peur de les perdre, la peur qu'ils ne vous parlent plus, mais en tous les cas, vous, votre divorce, si c'est vous qui l'avez demandé, le rêve se réalise, en tous les cas, il y a ce contexte positif hein, qui est bien présent. Pareil pour celles et ceux qui sont en triangulaire. On vous dit qu'avec cet homme ou cette femme, il y aura de l'engagement. On vous dit qu'il ou elle, financièrement, professionnellement, tient la route. On voit que ça vous perturbe. Ça sera plutôt votre future belle famille une fois quand ça se saura. Dans tous les cas, le rêve se réalise de vivre avec lui. Cet engagement ou avec elle se fera bien évidemment. Et on termine pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex. Donc là, quand il ou elle reviendra, en tous les cas, il y aura de l'engagement ou
vous allez vous réengager. En tous les cas, il ou elle revient financièrement, professionnellement, avec la tête sur les épaules. Ce n'était peut-être pas le cas à l'époque, quand vous étiez ensemble. On voit qu'il y a quelque chose qui vous tracasse et c'est qui, c'est quoi? Ben, c'est plutôt les enfants, la famille, votre famille. Vous avez peur d'être jugé ou quoi que ce soit parce que vous retournez avec votre ex féminin, masculin. Mais en tous les cas, vous, le rêve se réalise. Eh bien, ça va, c'est bien. Monsieur l'améthyste love. Je vais mettre la lumière parce qu'on ne voit pas très bien. Hein. C'est peut-être mieux comme ça, non? Oui, c'est peut-être mieux quand même. Ben oui. Ah, Jean-Claude, il ne va pas être content. J'ai des petits trucs là. Olé, Anna, qu'est-ce qu'on a? On a la voix de la guérison. Pour certains et certaines, si vous vous sentez fragile par rapport au sentimental, par rapport à une situation, on voit que là, il y a une guérison qui se fait, hein, par rapport à vos précédentes relations où ça a été pas très sympathique. On voit qu'il y a cette guérison ou c'est cette rencontre hein, qui fait que ça va complètement vous transformer. Allez, samedi 27 janvier 2024, Monsieur l'améthyste love. On nous parle de, vous voyez, on ressort cette voix de cette carte de guérison et on a le message. Donc peut-être que pour vous, mes amis célibataires, ou pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, pour celles et ceux qui sont en couple, pour celles et ceux qui sont en triangulaire et qui attendent le retour de l'ex, ou celles et ceux qui sont en train de divorcer, on vous dit que vous êtes dans la voie de la guérison. Et avec la personne avec qui vous venez de rencontrer, que vous allez rencontrer, il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de messages hein, entre vous deux. Donc ça, c'est cool. Il y a des nouvelles, là. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Allez. On nous parle d'union, de mariage, hein, je vous ai dit. Hein. Il y a vraiment quelque chose, malgré, vous voyez, il y a eu le traumatisme là. Hein. Vous avez beaucoup pleuré, mais regardez, vous allez avoir le déclic. Et vous allez devenir coquet ou coquette. Hein. On a ce côté superficiel, mais ce n'est pas la carte vraiment... voilà, on a les bijoux, on a les grosses lèvres, on a cette carte d'escarpin. Donc là, on vous dit tout simplement que vous allez reprendre goût à la vie. Vous allez avoir le déclic grâce à cette nouvelle personne. Vous avez souffert dans le passé et là, grâce à cet homme, cette femme que vous allez rencontrer, venez de rencontrer, ça va vous permettre d'avoir le déclic et vous allez complètement vous transformer et dans le bon sens. Vous hein, voyez, les choses vont bouger. Hein. Pour certains, ça peut nous parler de déménagement pour aller rejoindre cette personne, Monsieur l'oracle de la Sibylle. Allez hop, c'est parti, mon kiki. Allez, samedi 27 janvier 2024. On y va, c'est parti. On nous parle d'ennemis, hein. On nous parle d'une femme brune. On a le 4 de pique. Le 4 de pique nous parle de quoi? De difficultés dans le domaine de la famille et peut-être, attention, dans le domaine amoureux. Mais moi, je n'ai pas l'impression que c'est avec votre partenaire masculin ou féminin que vous allez avoir des difficultés. C'est par rapport aux gens qui vous entourent, que ce soit avec votre partenaire masculin, féminin, soit lui ou elle a des mauvaises personnes. Vous voyez, là, on a la carte de l'ennemi, on a la carte du 6 de trèfle. Alors, soit cet homme ou cette femme doit régler ses problématiques. Est-ce qu'il a une mère? Je ne sais pas. Bon, là, non, on a une brune. Est-ce que c'est une ex? Une maman? Je ne sais pas. On a quoi derrière? Ouais, il y a des retards, des contretemps. Et là, il y a des billets doux. Mais vous voyez, on a l'as de cœur derrière. Alors, est-ce qu'il y a des personnes dans sa famille, à lui ou à elle ou à vous, hein, qui n'apprécient pas cette relation? Il va falloir régler le problématique. Bon, en tous les cas, as de trèfle, cet homme ou cette femme, ça rejoint la carte de l'argent. Là, on a beaucoup d'argent. Mais l'as de trèfle, hein, lui, nous parle vraiment de réussite hein, avec cet homme. Et vous voyez, on a une femme pas bonne. Hein, on va la recouvrir. On a une dame de carreau. Hein. Si je vous dis, si j'ai des frissons, aïe, aïe, aïe. Ah non, j'espère que ce n'est pas la grippe. Hein. Et j'ai froid, j'ai des frissons, c'est hallucinant. On a le 8 de cœur. Le 8 de cœur nous parle d'invitation. Faites attention à une femme. Alors là, on parle d'une blonde. Alors moi, les couleurs de cheveux, vous le savez. Blonde, rousse, brune, on s'en fiche. Vous mettez vraiment votre propre situation. Ça va peut-être vous parler parce qu'il y a une femme qui va vous inviter. Alors c'est vrai que ça, c'est le contexte du samedi. C'est le week-end. Donc vous allez peut-être être invité. Et méfiez-vous, il y a une femme pas bonne. Hein. Ça va vous... Alors vous allez peut-être apprendre des bonnes nouvelles hein, concernant cette femme pas bonne. Mais on a le 2 de carreau, hein. Le 2 de carreau nous parle de décision à prendre, etc., etc. Mais c'est surtout que vous allez reprendre votre vie en main. Ça peut être dans un contexte professionnel, hein, puisque le 2 de carreau nous parle de travail, d'évolution professionnelle. Mais on a l'impression qu'il y a une femme qui vient aux infos, là. On a quoi? Bon, vous avez là, vous avez les présents, vous avez le côté financier qui est bénéfique pour vous. Donc faites attention à une femme pas bonne, tout simplement. Vous me direz qu'il n'en a pas. Ouh là là.
Allez, monsieur Béline. On y va, samedi 27 janvier 2024. Waouh, on a la protection par rapport à une situation qui est stérile, qui est gelée. Ça va se décanter. Ouais, vous voyez, ça ressort. Il y a de l'instabilité. Ouh, oui, il y a du tracas. Il y a des pleurs. Donc, vous avez besoin de repos pour certains. Vous avez retrouvé votre tranquillité. Vous avez besoin de paix concernant l'amour. C'est bon. Là, il y a une situation qui est stérile. Hein. On voit que ça n'avance pas. On vous demande de ne pas vous en occuper. Laissez faire les choses. Vous êtes là, mon consultant, ma consultante. Et ça peut être par rapport à votre partenaire masculin ou féminin. Hein. Comme je vous ai dit, il ou elle doit régler ses problématiques. Vous voyez, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Donc, laissez faire les choses. Et vous voyez, il y a des choses qui vont arriver de façon assez inattendue. D'accord? Bon, ça va prendre fin. Vos problématiques vont prendre fin. Vous voyez, le changement arrive. Les bonnes nouvelles arrivent. Hein. Vous voyez? Ça peut être concernant un logement. Hein. Comme je vous ai dit, logement social, l'achat ou la vente d'un bien, concernant tout ce qui est dans le domaine de la famille, etc. Puisque les pénates, hein, c'est la maison, le foyer, c'est comme l'aide de cœur. Allez, monsieur Grand était là. On y va, c'est parti. Hop, samedi 27 janvier 2024. Oh, vous êtes inquiète, fatiguée, on vous en demande toujours plus. On a le 3, 4, 5, 6, 7 de deniers. On nous parle de patience. Vous êtes inquiet, inquiète parce que on vous en demande toujours plus. Hein. Là, vous avez le 8 de deniers. Alors, c'est vrai que le 8 de deniers, on nous parle que vous avez bien travaillé. Le travail a été bien fait. Vous avez fait ça à la perfection. Mais j'ai l'impression que là, pour certains et certaines, vous en avez marre. C'est comme si, vous voyez, vous avez fait votre taf et on vous demande d'en faire plus, de faire des heures sup, mais ça ne vous intéresse pas. Vous êtes trop fatigué. Voyez. Vous voyez, ça ressort. Ouais, vous allez vous détacher de quelque chose, là. Il y a l'as de coupe, hein, pourtant. Vous allez être satisfaite. Ouais, il y a une femme brune, là. Elle est positive. Ouais, vous allez recevoir des nouvelles d'une femme. Hein. Il y a le 10 de denier. Donc, il y a des bonnes nouvelles. Moi, j'ai l'impression que là... Bon, là, on a l'as de coupe. Hein. C'est la satisfaction, c'est l'abondance absolue. Vous allez déborder d'énergie. C'est les cadeaux de l'univers, les cadeaux de la vie. Il y a un événement, là, qui fait que vous allez pouvoir vous soulager par rapport à une situation où... d'une situation où vous avez bien travaillé. Donc là, il y a des bonnes nouvelles. Et ça peut être concernant un divorce, hein, une désunion, une rupture. Là. Ou alors, vous quittez un travail. Là. C'est comme si vous allez voir ailleurs. Voyez, vous avez trouvé mieux ailleurs. Là, on vous en demandait plus. Et peut-être parce que vous n'étiez même pas assez payé. Vous faisiez des heures supplémentaires, vous n'étiez pas payé. Et là, c'est comme si il y a une femme là, qui intervenait, voyez, qui va vous apporter des bonnes nouvelles. Donc là, magnifique. D'accord, je vais recouvrir juste le plus là. Ouais, une femme veuve, une femme âgée, une femme bonne, voyez, prison. Ouais, moi j'ai l'impression que là, il y a eu un... prison, ouais, fortune. Ça peut être concernant un... Alors, soit un héritage, soit une problématique dans le travail, soit un divorce. Et c'est comme si que là, alors là, il y a deux femmes, mais j'ai une femme plus âgée que vous qui va faire en sorte que vous avez... tellement fourni d'efforts, ben on va vous donner raison. Alors, ça peut être concernant une procédure et vous avez la fortune. Hein. On avait le 10 de denier. Hein. Ouais, il y a l'amour, là, en plus. On a le 2 de coupe. Ouais, là, il y a quelque chose. Et vous allez pouvoir enfin repartir, là. Vous voyez, parce que vous avez le cavalier de bâton. Hein. Cavalier de bâton, lui, il nous parle tout simplement de courage. Vous avez été courageuse. Alors, le cavalier de bâton, c'est vous partez. Là, vous n'avez pas peur, quoi. Hein. Vous y allez. Même le cavalier de bâton, c'est en amour, c'est l'homme ou la femme qui se bat pour vous avoir. Donc, mais là, si on met cette carte par rapport à vous, c'est que vous repartez sur de nouvelles bases, vous repartez à l'aventure, mais vous y allez, quoi. Rien ne vous fait peur, voyez. Rien ne vous fait peur. Allez, on y va, monsieur Papu, c'est parti. Samedi 27 janvier 2024. Ouais, on nous parle de solitude. Voyez, vous êtes inquiet, inquiète, hein, quand même. On nous parle d'un signe du mois de février. Donc, février, c'est poisson et verseau. Enfin, verseau et poisson. Et on nous parle de victoire. Vous êtes inquiète, mais vous avez la victoire. Hein. Et vous vous sentez seule. Il y a ce côté solitude, mais on a cette lueur d'espoir. On a un signe du mois d'octobre. Donc, c'est les balances et scorpions. Et on a le 4 d'épée. Et là, on a le quoi? Le 7 de denier. 7 de denier, il est à l'envers. Le 7 de denier, on l'a eu tout à l'heure. Je vous parlais de patience. Mais là, vous allez, comme il est à l'envers, vous avez attendu. Peut-être trop attendu, mais ça y est, ça se décante pour vous.
Le 4 d'épée, lui, il est à l'endroit, nous parle de repos, de guérison. Vous allez enfin vous poser et on vous demande de laisser faire les choses. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, laissez faire les choses. Allez, on peut faire une petite carte. Ouais, là, on vous demande de rien faire, laissez faire les choses, la justice va prendre le relais. On a un signe du cancer, enfin, c'est quoi? Juin, c'est cancer et gémeaux. Ouais, vous allez. Il y a une histoire de justice, la justice va être favorable à vous. Et va en faire votre histoire en 5 minutes. Je vous le dis. Ça va être du vite fait, bien fait. Mais à votre avantage, regardez. Vous avez le roi de deniers magnifique qui nous parle de sécurité, qui nous parle de stabilité, qui nous parle de responsabilité, mais surtout de protection des finances. Donc là, la justice va intervenir et vous allez récupérer votre dû, récupérer, enfin garder ce côté financier qui vous est dû là. Vous allez avoir gain de cause là. Il y a des bonnes nouvelles. Hein. Ça, c'est cool. Allez, on termine avec le petit tarot des bohémiens. Allez, samedi 27 janvier 2024. On y va. Le petit tarot des bohémiens. On a la reine d'épée. On a le 10 de carreau. Changement, déménagement. On a la dame d'épée qui, elle nous parle de quoi? Ben, elle nous parle, la dame d'épée, c'est une personne qui est tranchante, hein, un peu comme le roi. Hein. Mais la reine d'épée, c'est une personne qui est intelligente, qui est honnête, qui est dans la dureté. Vous pouvez avoir confiance. Je vous ai dit, il y a une femme qui va vous apporter... Qui va vous soutenir et ça va vous apporter le changement. Et on a le 10 de bâton. Hein. Le 10 de bâton, lui, nous parle que vous en avez marre. Vous êtes trop fatigué, vous êtes épuisé. Donc là, les choses vont se décanter. Donc ça, c'est plutôt cool. Allez, petite carte. On a quoi? Oh, on a des choix à faire. On a l'amoureux, peut-être sentimentalement. Il y a des décisions à prendre. Hein. L'arcane majeure, l'amoureux, c'est vrai que c'est une arcane où il y a de l'incertitude. On se pose, on réfléchit. Donc là, vous devez... Vous posez, vous devez réfléchir pour faire le bon choix. Et là, regardez, vous avez la maison Dieu, mais elle est à l'envers. Quand elle est à l'endroit, tout s'écroule. Là, peut-être que tout s'est écroulé déjà. Hein, vous êtes déjà dans cette situation-là où vous l'avez été. Et là, vous allez remonter la pente. Mais il y aura des décisions à prendre. Je vais la recouvrir, tiens, la maison Dieu. Ouais, le chariot, magnifique. Le chariot, déménagement, les choses bougent. Je vous ai dit... Vous avez été au plus bas, là, avec la maison Dieu. Il y a eu l'effondrement, il y a eu les personnes méchantes qui vous ont fait du mal. Mais regardez, vous avez ce chariot. Vous allez monter dans ce chariot et vous allez foncer. Ça va bouger pour vous. Et vous allez vous relever et vous faites bien de vous relever parce que ça va vous faire du bien de repartir sur de nouvelles bases. Peut-être dans un contexte professionnel hein, aussi. Bon, ben voilà, voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve donc dimanche soir pour votre tirage du jour du lundi. Et sinon, on se retrouve, oui, de toute façon, on se retrouve demain pour votre guidance de la semaine. Et je commence les signes astrologiques hein, ce week-end, donc dès demain. Donc, voilà, voilà. Et je fais une énorme pensée à Chantal Lafont. Repose en paix, ma Chantal. Gros bisous, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao, bye bye.